Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne des Chroniques Wizardmen. Alors aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur Valentino Rossi. Ça fait longtemps que je voulais en faire une mais je ne l'ai jamais faite. Donc du coup là je vais te parler de l'avenir de Valentino Rossi. Il y aura une vidéo un peu plus tard qui sortira sur le palmarès de Valentino Rossi. Voilà, donc du coup c'est parti. Je te parle de ça parce que... On sait qu'on a appris il n'y a pas longtemps que Fabio Quartararo va remplacer Valentino Rossi pour l'année 2021 et 2022, pardon. Et que du coup, ça veut dire qu'en 2021, Valentino Rossi, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il va devenir journaliste sur la chaîne radio, la chaîne télévisée de la chaîne italienne Sky? Ou est-ce qu'il va devenir un pilote d'essai? Est-ce qu'il va devenir qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Ou est-ce qu'il va tout simplement prendre sa retraite? Ou continuer uniquement à se focaliser sur son écurie? Donc la retraite, il a dit clairement que c'était pas trop son objectif. D'ailleurs, il a dit que son objectif c'était de continuer en 2021. Et on le sait que c'est compliqué car la saison dernière il n'est arrivé que 7ème au championnat du monde, donc vraiment très compliqué. Et Valentino Rossi, il signale que ça semble difficile que Yamaha, l'usine officielle, le garde parce que ça semble difficile d'être compétitif. Alors quelle est la possibilité pour lui? Yamaha a clairement affiché que tout simplement il ne voulait pas délaisser Valentino Rossi et qu'il voulait continuer à apporter leur soutien, et donc il lui propose l'usine non officielle, donc Petronas. Valentino Rossi évoque que l'équipe Petronas est une équipe fantastique qui a démontré sa compétitivité et son très haut niveau, donc au final cela ne changerait pas beaucoup. Mais Valentino Rossi voulait pas se prononcer avant la mi-saison 2020. Du coup, c'est avant 2020 que je te parle, mais après je vais te parler après, avant le coronavirus et après le coronavirus, t'inquiète pas. Et on le sait, la saison semble donc bien compliquée comme je te l'ai dit. Mais son team manager dans l'équipe officielle de Yamaha, donc Misamo. Pardon. Mais Regali, lui, il semble pour lui, 2-3 courses, ça suffit largement pour Valentino Rossi pour lui dire s'il continue ou pas. Il évoque également que le fait que Valé est une personne très intelligente et qui comprend son niveau. Ça clairement, comment te dire que entre nous, j'espère que Valentino Rossi, il va pas, comment dire, ses chevilles ne vont pas augmenter comme l'expression française dit. Et en effet, l'avoir dans son équipe, du coup, c'est avoir une super bonne image. Et d'ailleurs, Johann Zarco dira que actuellement, on touche à deux dieux, qui est Valentino Rossi et Marc Marquez. Du coup, il l'a dit en avril 2018, lors d'une conférence de presse. Tu l'auras bien compris, du coup, Valentino Rossi a de fortes chances d'avoir un guidon l'année prochaine. À lui de choisir quel bon guidon il veut. Mais concernant le coronavirus, qui est toujours d'actualité à ce que je chasse, du moment où je sors la vidéo, Valentino Rossi a signalé que ça a changé tous ses plans. En même temps, tu m'étonnes que ça a changé tous ses plans. Enfin, ça a changé de plan, je pense, de beaucoup de monde, hein, clairement. Et notamment concernant sa carrière sportive. Continuera-t-il Valentino Rossi? Parce que lui il a dit que c'est tant qu'il... En fait il veut démontrer qu'il est toujours compétitif. Donc c'est vrai que s'il n'a pas de course, ça va être difficile de montrer qu'il est toujours compétitif. Parce que Valentino Rossi, je te signale juste qu'il a 41 ans. Donc c'est pas non plus le pilote le plus jeune au monde. Et 41 ans en MotoGP, il est le seul de l'avoir fait. La majorité, il se barre à 30 ans à la retraite. Du coup, la majorité partent à la retraite dans la trentaine. Donc voilà. Et enfin, un dernier point, comme on parle du coronavirus, sache que Valentino Rossi a participé à une collecte de fonds de l'association. Désolée, mon italien, je ne parle pas italien. Du coup, on va y faire avec une version espagnole. Isemo per Echenor, afin de pouvoir acheter du matériel respiratoire pour l'hôpital de Pesaro. Oui, j'ai eu un bug. Car comme vous le savez, l'Italie est aussi gravement touchée par le coronavirus comme nous.
Et du coup, bah voilà, du coup c'était la fin de ma petite vidéo. Oui, j'ai beaucoup beaucoup lu parce qu'il y avait beaucoup d'informations et que j'arrivais pas à tout retenir. Je suis désolée pour toi. Mais je suis gentille quand même, je t'ai mis une belle vidéo durant tout le truc où tu vois Valentino Rossi qui roule et tout ça. Je suis quand même gentille parce que j'ai quand même changé mon format. Et du coup, ça, je te cache pas que ça prend un peu plus de temps à faire le vidéo montage. Mais du coup, j'espère que ça te plaît. Et moi, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et courage pour toi pour le coronavirus. Dis-toi que ce n'est que temporaire. Et qu'après, une fois que ce sera temporaire, et bah du coup, on pourra tous ressortir. On pourra faire tous des bisous, des câlins, des se serrer la main et tout ça. Ou peut-être pas, parce que peut-être qu'ils auront mis des nouvelles règles. Mais parce que, comme je l'ai dit précédemment dans une dernière vidéo, je pense pas que les câlins, les bisous et tout ça, ça sera. Après le confinement, mais une fois qu'on aura le vaccin, on pourra faire des câlins, des bisous, on pourra faire tout, tout, de n'importe quoi. Du coup, courage, courage, petit, ça va bien se passer. Et je te ferai une petite vidéo prochainement sur les activités que tu peux faire en tant que confinement. Parce que comme vous savez, ma chaîne YouTube n'est pas basée que sur les thèmes de base, donc les MotoGP, que je suis en pas. Et du coup... la dernière j'avais mis équitation, du coup moi je vais tendre ma chaîne YouTube et du coup tu seras informé. Et du coup c'est la petite aparté de cette vidéo, c'est que tout simplement ma chaîne YouTube je vais élargir à des questions de réflexion et des questions du coup des questions de réflexion, des vidéos où tu dois tes petits vidéos, comment on dit, j'avais bégayé, mais bah, du coup tu n'auras pas de petits je sais pas quoi, mais du coup tu pourras participer à certaines de mes vidéos, tu en sauras plus sur Facebook, parce que je publierai du coup sur Facebook les instructions. Et du coup, voilà, il y aura deux nouvelles catégories et du coup des vidéos un peu complètement hors connexion de toute la chaîne YouTube. Enfin de toute ma chaîne YouTube. C'est comme là, comme je te l'ai dit, je vais tourner une vidéo, du coup j'ai tourné une vidéo sur les activités que tu peux faire au moment du coronavirus et du coup du confinement. Pour passer le confinement. Du coup voilà, des vidéos qui sont pas du tout dans aucune des catégories que je peux regrouper. Mais du coup voilà, parce que je n'aime pas que ma chaîne YouTube soit basée que sur un courant. Moi une vidéo c'est je fais sur ce qui me plaît. Tu vois, il y a un truc que je vois, un article que je vois quelque chose qui me plaît, hop j'ai fait la vidéo. Donc voilà, c'est pas sur un thème précis, donc au moins tu le sauras. Du coup la chaîne YouTube n'a pas de thème précis. Donc voilà, mais par contre une chose est sûre, c'est que je ne traiterai jamais quelque chose dont je ne suis pas capable de traiter. Donc voilà, voilà, tu es au courant et moi je te souhaite un bon courage et une bonne fin de journée et à une prochaine.